أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من كويزين سون فيزا avec chef عادل توجور وبنا تي في وكما عودناكم سي توجور أطباق جديدة وبلدان جديدة وهذه المرة راح نروحوا لاغراس اليونان بلاد فري شابة ويا بوكو دو كولتور بزاف ماكلة اللي لازم تعرفوها كي دي غراك دي موساكا واليوم معنا شيف عادل راح نديروا الموساكا اللي هي وصفة معروفة دون لو موند اونتي في العالم كامل وان بلوس هي وصفة سهلة وبنينة بزاف وماذا بيا تجربوها الموساكا ومع الموساكا راح يكون عندنا اوسي ان ديسار راح يكون ان غاتو اباز دي بيستاش فيه لا بات دو بيستاش اي اوسي لاموند اون بودر دو ريسيت دو ميم بيي avec une certaine originalité en plus بنان بنان بزاف راح نبداو بالوصفه تاعنا راح نبداو في المكونات تاعنا تاع الوصفه تاعنا اللي هي الموساكا الباذنجان الملح الفلفل الكحل ونحبت نزيد شويه لي زاب بروفونسال في كورانا في البصل الميديترانيا البصل تاعنا يكون مقطع توم زيت زيتون اللحم تاعنا يكون لحم خروف مفروم لا سي لو سي لو فيون دانيو اشي tomate concentrée ou la tomate plutôt tomate concentrée ou la tomate qu'on mqta en petit dés pour la garniture tana rah n'utilisons deux fromages en même temps c'est du parmesan en plus de fromage feta le fromage très connu en plus c'est collé pratiquement à la culture ta le bled tana li rana fiha lyouma li rah ntbkhou l atbaq taha inchallah راح يكون البيض راح يكون aussi de la crème fraîche un peu de farine باه on va lier en quelque sorte راح نعقدوا بها la sauce تاعنا et bien sûr c'est un bouquet des herbes persil coriandre céleri menthe ce que vous voulez c'est-à-dire كاين معدنوس حشيش كرافس la menthe et basilic aussi La deuxième recette tana, bien sûr, c'est comme j'ai déjà expliqué auparavant, il s'agit d'un gâteau, c'est à base de la pâte de pistache, l'amande en poudre, sucre glace farine, beurre et blanc d'œuf. On va commencer avec la première chose qui m'a aidé comme le bedenjan tana. Déjà, j'ai parlé. حكيت في الحلقة اللي جازت الحلقة تاع المطبخ الإيطالي بلي بدنجان باه يشرب لنا لي زيبيس اللي راح نزيدوهم من بعد لازم توجور نخليو بدنجان تاعنا في شوية تاع الماء اون بلوس مع شوية تاع الملح لي دو فاكتور ها لو اي لو سال راح يخليو بدنجان تاعنا يتشرب لي زيبيس او بيان اي حاجة نزيدوها من بعد انا ديجا درت الملح ودرت الماء تاعي 30 مينوت نحيتهم صفيتو ودوكا اون فا كومونسي ليتاب الاولى اللي هي ليتاب وين اون فا غري سوا ديزون لي زوبرجين تاعنا À titre d'information, le badinjan tana, il faut pas, c'est-à-dire, il faut pas mqchro. C'est pour garder la couleur. En plus, l'aspect nutritif. En même temps, rah njib un bol win rah mariner la viande tae, malh, fifl lkhel, le melh, les herbes de Provence et les herbes ciselées, les qui n'arrivent pas belles. ملح
On va ajouter les oignons. Je vais étaler les oignons. Parce que le reste, on va les dorer sur la poêle. Et je vais commencer à travailler la viande. Cuisine céréale, ou la libanaise, ou la égyptienne, ou même la cuisine tana, et même la cuisine des Italiens, bien l'Espagne aussi. On fait toujours travailler la viande tana avec les épices. On le laisse à côté. Ben, tu les épices hadi, quand tu la viande tana, bien. Parce que si on va directement assaisonner la viande tana avec l'oignon, avec le bousla, le thym et tout ça, il ne va pas absorber pratiquement soit disons, à 100% les épices ou les ingrédients, les hydromons bada. On a le feu tana. On va ramener une marmite. Avec un filet d'huile d'olive. Quand tu fais les aubergines, tu la couleur de la. Une fois que nous étions, on va ajouter le ta chouille et tombe sous forme d'hirondelle. Et à petit feu, on va essayer de caraméliser les oignons tana. Maintenant, c'est pas de caraméliser à 100%, mais bon, chouilla. Quand on tchèrbe la viande tana, on va dire que c'est là. Entre temps, on va mettre les aubergines tana. Voilà, ça commence. Donc là, je vais ajouter petit à petit la viande hachée carrée. D'informations, le moussaka hadi kaina bzaf, comment dirais-je, il y a d'autres pays qui font la même recette, surtout bref, toujours dans le bassin méditerranéen. Kaina la Turquie, kaina l'Egypte, kaina la Syrie, kaina aussi chez les Libanais. Voilà. Mais ça se diffère d'un pays à un autre.
Donc la viande tana, elle a commencé à avoir la couleur dorée. Je vais ajouter la moitié de bqat. Les ingrédients les braouna, tomates en rondelles, le fromage parmesan et feta, la tomate concentrée. Pour la tomate concentrée, on va ajouter après, le fromage, la crème et le bed. Pour la garniture, je vais commencer à ajouter les arbres. Les arbres qui m'ont coûté, c'est au choix. Par exemple, en arrière, j'ai mis du persil, madnous, la chiche, la menthe ou le habak. On va ajouter la tomate concentrée. Tomate n'est pas acide, la tomate est vraiment rouge, sucrée soi-disant. On peut opter aussi par, on va, c'est-à-dire au lieu de mettre, je ne sais pas moi, 250 g de tomates concentrées ou ça, on va opter pour des tomates fraîches. Ça va donner plus de fraîcheur à la recette. À la fin, on va ajouter un petit peu de farine. Pourquoi on a ajouté ça? Vous allez poser la question à l'azna, la farine. La farine, automatiquement, c'est pour lier n'importe quelle sauce. On va utiliser soit le roux, qui est à base de la farine, bien sûr, et du beurre. Donc on a passé à zbda la farine, soit maïzena. نزيدو شوية تاع الماء سخون و غاليسي خلي كل شيء طيب لمدة قلت من قبل مدة 20 دقيقة. حياتنا كم جي اكسبكي اوباravant et ça c'est toujours la cuisine grecque. وتحياتنا عبارة عن un gâteau à base de la pâte du pistache. Bref, كما شرحت لكم لا دانيير فوا في الحلقه تاع اللي جازت حلقه تاع المطبخ الايطالي. اون كومونس بار سكي فارين سكر و تو سا ابار اي ابري اون اجوت لو ليكيد. سيت فوا سي اون فا فيرسي ان بيتي بو بيسكو عندنا ان اوتر فاكتور كي امبورطون سي الزبده. الوغ لازمنا نديرو الزبده تاعنا مع لا فارين تخلط. On va commencer à ajouter un par un. On va ajouter le bord. Zbatanat qu'on avec une température ambiante, c'est-à-dire bedaraj hararat l'orfa, c'est-à-dire machi barda bzaf ou machi daiba.
هذا بالسكر غير بشوية، ومام لافيتاس راح تكون بسرعة بطيئة. ولا الفيتاس ماشي رابيد. Voilà, donc on commence à ajouter. نخلو الزبده والسكر تاعنا يتخلطوا مليح حتى يلحق ان سيرتان نيفو، والزبده تاعنا اوليو كانت صفراء فا ديفونيو بلو كلار. كالا كولور تبدلات، اون فا جوتي لاموندون بودر، لوز الملحي، la pâte au pistache, et à la fin on va jeter la farine. Et on va mélanger doucement. راح نخلطو حتى نتحصلو على خليط متجانس، ميلونج اوموجان جور دون بات. لا بات هادي جو فيلي ايطالي بلو تاغ سور ان بلاطو. او ميم طون بو اتخ بلو رابيد، اي اون فاغ اون باراليل. Je vais monter les blancs d'œufs. Ça doit faire du sale. On va monter le tout. À monter les deux blancs d'œufs. J'essaie de travailler en parallèle, de me coucher en même temps. On sait jamais, il y a des cas où une. Bref. Voilà. Parce que des fois, on a le temps, on n'a pas le temps. Surtout pour le, par exemple, les femmes du foyer. Ou bien les gens qui font des gâteaux en même temps, des salés en même temps. En même temps, je vais vérifier la marmite taille.
Et les prates. Ce que je vais faire, c'est pratiquement comme la dernière fois, on va essayer d'incorporer petit à petit le blanc. Khalitana ou des mains من تحت للفوق. Je prends la totalité du mélange et je le mets au frigo. En parallèle, vu que le il faut trouver toujours le plaisir de cuisiner. C'est pas que la recette a des tôles, je suis fatigué et tout ça. Non, on va essayer de jouer tant que elle est prête, le bedenjen tana est prêt, la garniture tana est prête aussi. C'est un, comment dire, c'est un petit jeu. C'est des couches qu'on va le mettre un sur l'autre, plutôt une sur l'autre. On va commencer par les aubergines. Et voilà. En deuxième couche, ce sera les tomates. En troisième couche, comme tu vois, on est en train de jouer sur les couleurs et sur les goûts surtout. La sauce AD a l'air très bonne. Et voilà, de la même façon, quand on est en train de jouer avec les couleurs et les couches, et la dernière couche d'aubergine, les tomates. Je ne sais pas, il y a des connaisseurs de un petit peu de la cuisine orientale. Il y a la même pratique, c'est pas la même recette, mais dans la cuisine syrienne ou bien libanaise, c'est mieux kofta. Kofta, c'est pratiquement de la viande hachée, sauce en viande hachée, kima hakda, avec de, à chaque fois c'est une couche de des tomates en rondelles. Bref, ça me fait rappel de l'hôtel. C'est à chaque fois il y a une recette qui va marquer soi-disant la journée ou bien la semaine. On va jouer pour la dernière fois sur les garnitures de ce plat. On va commencer à faire, à incorporer les œufs tana. On va commencer à faire monter un petit peu les œufs tana. Ça, c'est la partie ta, la garniture tana. Là, on va jouer un petit peu. Je vais ajouter la crème. Je vais
Doucement. Feta c'est pareil à halloumi aussi, c'est un fromage qu'on utilise, c'est le fromage non gras. Voilà. Parce qu'il y a deux sortes de fromage. La prochaine fois, lorsqu'on passe par l'Italie, on va essayer d'aborder les origines de chaque fromage pratiquement, et de faire des recettes à base de fromage. Voilà. Parce que l'Italie, il est connu par les fromages. Comme la Suisse, il est connu par le chocolat. J'oublie un truc de préchauffer. Pour cette recette, il faut 180 degrés et entre 35 et 40 minutes. L'osfa hadi lazmna 180 daraja ou le waqt bin 35 à 40 daqiqa. On a déjà j'ai fait le 180 taille. Et pour le timing, ce sera soit disons 45, 44, 35 à 40. Et on va jouer pour la dernière fois avec la garniture. Et on va passer notre moussaka au four. Entre-temps, on va faire ramener le gâteau tana, plutôt la pâte. Donc sûr, vous allez poser la question, alahtina la pâte tana fil frigo. Parce que d'habitude, lorsqu'on fait une pâte, plus que la pâte tana elle repose, plus qu'on aura un bon résultat. La pâte tana aussi, il y a la pâte, le gâteau à base de pâte de pistache, elle va passer elle aussi au four. On va commencer à beurrer le moule tana. Surtout le fond, parce que la pâte tana n'est pas trop épais. هنديروا المول تاعنا في الفور ونطلقوا ابري الفاصل باه نقدموا لا بروميير ريسيت تاعنا اللي هي الموساكا ولو غاتو تاعنا اللي هو لو غاتو ا باز دو بات دو بيستاش. اعزائي المشاهدين لحقنا فقره التقديم واش حضرنا من قبل في لا كويزين كراك بيان سور معايا انا الشيف عادل في بنا تي في toujours cuisine sans visa, moussaka tana et le gâteau à base du pâte au pistache. Nitmenna bli ajbetkom el halqa ta lyom, ajbetkom surtout el wasafat li dernahom el lyom, ajbetkom aussi la culture ou el benna ta el blad li zornaha. Ntablakom mawad insha Allah fi halqa jdida ma blad jdida w atbaq jdida. Mni ana likom chef Adel, ciao.